du tournage, nous ne savions pas que nous serions toujours en confinement. Encore un peu de patience, restons chez nous. Nous pensons bien fort au personnel soignant et tous ceux qui travaillent dans la chaîne de l'agroalimentaire. Un grand merci à eux. Prenez soin de vous, les gaufrettes. Salut les gaufrettes! On espère que vous allez bien. Déjà le mois de mai, que le temps passe vite. C'est vrai, bientôt la moitié de l'année et bientôt l'été. Ouh, patience, il reste encore un peu plus d'un mois. En attendant, nous vous proposons deux recettes. Découvrons l'ensemble avec le jeu de mercredi. On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour la terrine, il faudra 200 g de carottes, 3 échalotes, 20 g de beurre, 750 g de filet de cabillaud, 300 ml de crème liquide, 5 œufs, du sel, du poivre et 3 pincées de piment d'Espelette. Dans l'extra chef, je hache les carottes et les échalotes épluchées et coupées en morceaux. Je les verse dans le micro-cook avec le beurre. Ça part au micro-ondes, 5 minutes 30 à 700 watts. Je hache grossièrement le poisson dans l'extra chef. J'ajoute aux légumes le poisson, la crème, les œufs, le sel, le poivre, le piment et je mélange bien à la spatule. J'huile la terrine Ultra Pro 1,8 litres et y verse la préparation. Ça part au four préchauffé à 180 degrés, 50 minutes, couvert. Puis 10 minutes découvert. Pour la sauce, il faudra 250 ml de crème et 15 ml de curry. Dans le micro-cook, je verse la crème et le curry, puis je mélange. Ça part au four micro-ondes 3 minutes 30 à 600 watts. On passe au pain. Il faudra 5 g de levure du boulanger, 2 ml de sucre, 2 ml de sel, 15 ml de graines de sésame, 75 ml d'eau tiède et 100 g de farine d'épeautre. Dans le bol pousse 1,4 litre, je mélange la levure, le sucre,
les graines et l'eau tiède. Dans le bol pousse 2,75 litres, je mélange la farine et le sel, puis j'ajoute la préparation et mélange longuement. La pâte ne doit plus coller. Dans le cas contraire, rajoute un peu de farine. Je mets la pâte dans la terrine Ultra Pro 500 ml farinée. Ça part en pousse pendant environ une heure. La pâte doit arriver jusqu'en haut de la terrine. Ajuste le temps pour qu'elle y parvienne. Ça part au four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes. Couvert. Puis, 15 minutes découvert. En voilà une entrée bien sympa. À déguster chaud ou tiède. Et avec ce pain délicieux. C'est vraiment simple de cuisiner. Et depuis nos débuts, vous avez pu vous rendre compte que l'on peut facilement faire participer les enfants. Notre séance est terminée, on se retrouve dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de... vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.